dans le livre, il est question de la mémoire qu'on transmet de génération en génération et qu'on déconstruit et qu'on intériorise. Est-ce que c'était déterminant cet enjeu de la transmission ? Oui, la transmission, elle est au cœur de ma vie. Elle l'a été dans une première vie lorsque j'étais enseignant. Et c'est tout l'objet de ce travail que de transmettre une culture, des connaissances. Et d'une certaine manière, j'ai poursuivi ce travail de transmission dans mes activités suivantes, c'est-à-dire dans la réalisation de documentaires principalement historiques et aussi dans les livres qui sont souvent le corollaire des films que j'ai réalisés. Et c'est encore une fois le cas avec celui-là, même si je le mets à part, évidemment, vu son aspect plus personnel, par rapport aux autres livres que j'ai écrits par le passé. Par ailleurs, oui, la transmission est une préoccupation quasiment atavique. Je crois que c'est quelque chose qui est au cœur du judaïsme, même si je suis coupé d'une certaine tradition religieuse, mais voilà, il y a quand même des choses qui passent, en tout cas, dans ce qui nous fabrique et dans la manière dont on habite le monde, et c'est quelque chose qui est évidemment très certainement essentiel pour moi.